bonsoir à la famille. Avec plaisir de rentrer la caillou pour capable boter baou yon nouvelle émission. Est-ce que tout le monde en forme? Est-ce que tout bagay ok? Eh bien, nous là, nous pral boter baou yon première émission. Et n'a pas chance, je n'y en deuxième émission. Et m'a demandé non pour pas rater en ken émission jodi à la. Sous, ça n'est pas capable de Chanel Multimédia yo. RL Pro, RL News. RL Media Pro, tout ça parce que gay un pile dossier nous pral pote bao. Et gay émission, t'as capable de dire certaines fois, moi, dégager frustration m'lade yo. Et m'pense que, bon, moi, gay raison. Moi, gay raison parce que nous sommes haïtiens d'abord qui concernés. Comme si m'senti que, rete nos micro, chita pede parler, bah, information chaque jour. Et nous-mêmes, tout nous gain problème. Nous-mêmes qui journalistes, nous gain problème. Des fois, on compte kidnapper nous, des fois, famille nos victimes. Et même les comme si on proche non pas de la victime. Mais le fait de regarder cette situation en face, eh bien, des poussières haïtiennes me senti que comme si ça pas capable de nous. Donc, monsieur, t'en prie, s'il vous plaît, gon bagay moi cap dessiné là, m'bavle ça. Ça va faire bien. Comme si cette histoire, même les nous pas capable de vivre, comme si je ne j'en dis à là, en pile l'autre nation a décidé. Est-ce que haïtien ka cabrit? Est-ce que haïtien ka chien? Est-ce que haïtien ka cochon? M'pa kwè zansèt yo te goumen pour ça. Et si nèg yo te comprendre que yo t'ap pral bataille pour ça jounen jodi a, franchement, yo pa t'ap jamais entré dans un combat comme ça. Pour un peuple bataille, il prend indépendance li. Jounen jodi a là, li tellement pas ka vivre entre lui-même, dirigeant, décantation qui gagne en dirigeant avec population. Comme si c'est l'autre nation qui a décidé. Pep ça, ben moi. Est-ce que nous t'as capable de laguer en posture de chien en figuille, en posture de cochon, en posture de bête? Et c'est ça qui a décidé pour nous. Tant pis, haïtien. En nous goûter, non. Pour éviter genre de réputation, ça yo. Ah non, c'est pas possible. N'a pas fini tout à l'heure pour nous capable parler de questions, si là yo. Mais tout d'abord, en entraînant dossier important. Et ça qui est évident pour le moment. La police li fait qu'on est li stoppé deux bandits. Parmi eux, il y a certains de Bello. En plus, le monde connaît. Il y a un allié chef gang Timadi qui a opéré dans Onaville, Jérusalem, Canaran. Dans date mercredi 10 août 2022. Dans échange de tir. Nexa, d'après la police, était armé avec un pistolet calibre 9 mm. Mac. Beretta. Et puis tout série c'est THJ46413. Bello est impliqué dans plusieurs actes criminels parmi le kidnapping, détournement marchandises et puis vol à main armée. Gagnons l'autre présumé bandit. En plus, le monde connaît son nom Papito qui fait partie gang qui est dirigé par Patrick alias Pachuco. Bot Malfrasila qui au même apprend sonné marchand yo. Non, marché sable, non, Canaran, et spécialisé autour dans un cambriolage, Rosembert, yon localité dans Bon Repos, d'après la police qui soulignait que Papito, yon te suspect li, participé dans exécution dans la nuit. 25 pour l'ouvrir, 26 juillet 2022, Daphné Joseph, madame, docteur, ecclésiaste Noël. Victime nan, 34 l'année, te fek, fait yon bébé, qui est seulement 10 mois, le nègre touyel, la Kaili. Toujours, d'après information, la police nationale d'Haïti. Est-ce que la police a fait bien ou non? Il était à nous-mêmes pour nous capables de commenter ce dossier-ci là. Coordination de presse à relations publiques, la police nationale d'Haïti, à travers unité production audiovisuelle, allô la police, présenté par le public là un reportage qui est réalisé dans le cadre. Arrestation Dieudonné Patrick, membre actif groupe gang qui est dirigé par Tigreg, ainsi connu pour implication présumée dans le cas kidnapping, usage de faux, vol à main armée, etc. Faut que nous rappeler que Dieudonné Patrick, jeune arrestation, c'était dans la date vendredi 5 août, dans Delma 33. On en suit. Dans diverses opérations police nationale menées le week-end passé, Dieudonné Patrick, c'est non yon parmi individu qui était jeune arrestation, je quitté vendredi 5 août 2021 dans Delma 33. Individu ça qui gain présumé implication dans plusieurs actes malhonnêtes tant coup vol, touye moun, fait faux papier et la trier
d'après le jeune arrestation li tout de suite après l'été fin transporté en urgence yon dame selon ça li dit l'été bay ou libre mais par la suite qui t'après blessé par balle dans cadre d'une attaque d'après ça dit donné raconté trouvé que bien on mis qui dit que dame n'a perdu en pile sans forme t'a dégagé pour me joindre sans pour lui et puis c'est comme ça agent dit que pas sortir à machine. Et puis moi dit monsieur pour qui ça le monde monsieur pour qui ça monsieur dit bon et on pas sortir c'est l'autre c'est quoi vous qui pas sortir dit monsieur mais OK mais après dans l'autre petit moment moi la police paraît la police paraît la police m'a dit pour m'accompagner pour fouiller machine là. Suite à l'arrestation si là la police t'a pris le jeune dans machine des données un faux badge la police qu'il a utilisé depuis l'année 2021 les nous poser la question sous badge là. Il te répond comme ça. Bon, la question m'a dit que je travaille en tant que mécanicien, technicien, et puis le bon badge pour que je m'identifie. Bon, si le pas original, on est même clé, je comprends bien. Dans le badge, il y a des données qui sont passées pour technicien police là. Cependant, pour ça qu'il y a un pouvoir avec l'affectation pour remplir la fonction ça, parole yo pa te fin clé du tout. Non, pas dans le commissariat, c'est non boîte mécanique, nous faisons mécanique pour la police, pour marcher au village avec machine, et puis pour nous travailler pour nous manger machine. Mais non, je vais être la mairie. Je vais être la mairie pour que je travaille dans la mairie. Je vais être la mairie Pétionville, je fais mécanique pour mairie. Pourquoi elle est là, dit donné Patrick Touvel dans un commissariat dans la capitale là, côté Lapton, pour la répondre question devant la justice. L'autre dossier, la police dans Croix des Bouquets. Arrêté, dans date dimanche 7 août l'an, Chimigue. Monsieur le Chimigue Joseph, qui c'est un membre influent, organisation criminelle, y'aurait les 400 Marozo, qui impliqué dans divers mauvais actes en cours, kidnapping, assassinat, voler machine et puis faire recette nommé commerçant yo. Pendant l'état répondre question la police, Chimique Joseph reconnaît l'été qu'on travaille pour chef gang collègue comme boss Féroni. Cependant, l'y voyait jeter accusation comme quoi l'état fait partie gang nan, contrairement à information la police disposée. Direction centrale police judiciaire a préparé dossier avant yo déférer devant juge pour lui capable répondre question sous ça yo reproché lire non un gros tatou dans le sommet pour là ça c'est normalement ça veut dire ça elle était possible maman et maman qui est 9 mois 18 mois de là maman charmant et moi en plein la pour tout oui non ça c'est un petit moyen ça c'est normal bon bon petit tout, il y a un petit moustache, Schwender, Schillander, Bolinski, ça me trois petits garçons. Ça, sinon, il y a un papa, mon grand, moi, ma tante, moi, et moi, c'est vraiment un mot qui me l'a mis, et au clévé. Ou tu pas j'aime dans Zach? Non. Tu pas j'aime dans Zach? Pas j'aime faire Zach moi-même. Mais ou pas comme Zach? Non, ou pas comme ce professionnel, il y a tout simplement pour son papa. Ou pas comme ce boss maçon, il y a moi-même choisi à prendre Féroni. Est-ce que tu as comme deux, trois nègres? Je suis un détoileur nègre, parce que moi-même aussi. Je suis un détoileur pour me faire un collègue pratique de travail. Je suis un homme qui a appris la médecine, c'est ma femme qui avance, c'est ma femme, parce que moi aussi, je suis un homme qui a fait le travail. Qui ont senti où? Qui ont senti où? Étant que les collègues ont fait kidnapper, tuer les gens, ou même pour aller prendre un compte dans la main, pour aller travailler pour lui. Qui ont senti où? Bon. C'est une date où ça va faire bien tout, parce que ça va passer. Même si je suis professionnel, parce que je suis arrivé dans la zone, si je ne peux pas faire, je ne peux pas penser comme si je ne pouvais pas stipuler. Parce que je ne peux pas penser comme si je suis un contenu. Obligé, même si je travaille avec travail professionnel, je ne peux pas faire mon travail. Je travaille pour lui, mais pas de rapport avec ça. Je ne peux pas poser cette question. Ça veut dire que vous aimez ça l'a fait? Moi-même, si je mets ça pour les gars faire, je vais être moins. Parce que ça veut dire que si je ne peux pas vivre bien tout. Ça te passe tout doucement dans le pays, à moins pas faire quoi. Bon, pour qui ça va t'avertir la police? Pour qui ça va avertir la police que y a un mauvais zangui dans la zone? Bon, la police là, elle même, c'est normal comme si on ne peut pas avertir la police. Oui. Mais ça, c'est un gens qui ont ce spion comme ça. C'est un dangereux. Moi-même, je suis passé, une famille m'a passé petitement.
annexer sur la vie pour l'aider aussi. C'est comme si moi-même, c'est moi qui veux travailler la police, de la police. Mais on a besoin de la police, c'est ça. Moi-même, toute famille, moi, tout le pays. Entre temps, une question à poser là pour m'en décoter l'homme sans jour fait. Question ça, moi-même, tout m'a pas répondre. Mais il faut me dire que, donne-moi un lait. Donne-moi un lait pour qu'on ait côté monsieur Yoye. Mais écoutez, dans le moment n'a pas là, par contre pour demain. Mais pendant la fait émission, ça là, faut me dire que 400 Marozo en faiblesse. Groupe là paraît très vulnérable. Ça veut dire que c'est vraiment difficile pour nèg yo. Genèg qui a fixé un pile côté pour y aller cacher. Genèg c'est Cité Soleil. Genèg c'est Canard. Genèg c'est Ander Tomazo y entré. Genèg tout qui a fixé Léogan. C'est ça qui fait gagnon alerte qui lancé sous zone Léogan. Puis l'habitant commence à parler pour dire que eh bien la police a assumé. Population a mette grand monde sous nous. Nèg sa yo depuis yo pas arrêté dans zone nan pour yo pas arrêté. C'est ça. Moun sa yo même yo dit. Mais quand t'as la mensonge, tu es capable de dire bah elle apparaît très compliqué pour lui. Ou est longtemps la mensonge qu'on a fait déclaration. Déclaration incendiaire encore. Ou est après la mort. Mais policier régional, n'a yo fin matérisé, n'a yo fin humilié, cadavli, ou elle en mensonge ou te parle, et le parle à qui on ton ferme. Je ne jodi à l'en mensonge ou m'dare mon fond ti déclaration. M'dare mon fond parler. Pour moi, si c'est même l'en mensonge ou est-ce que personnage ça, li pas vini un personnage qui affaiblit, parce que la police a marché. De toujours dit non que, force légale là, même l'or elle en faiblesse, gon les cas privés, la pète grand moun sou li, la pou prend force. Mais écoutez, Jean Bagala est là, pense que la police doit continuer parce que li pas supposé quitter, n'ta capable di nèg yo reprend contrôle. Mais pendant la police a frappé, mes amis, fon dit que moi mandé pour gagner une fixation sous base vite l'homme non. Fixation sous base vite l'homme non. Pendant 400 Marozo li même, li en faiblesse, li paraît fragile, vulnérable. Eh bien, nèg vite l'homme yo même, y a monté en puissance. Comprenez bien. Le temps de suivre quelques déclarations, quelques commentaires, quelques analyses. Responsable d'organisation, dirigeant politique, sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti et puis après dans le Bretonnet. C'est malheureux que yo été obligé d'arriver là pour un problème administratif qui en fait pas dépend de yo et qui pas tout à fait tout dépend. De personnes, si je me dis ça, c'est un système. C'est l'administration qui est un petit genre lent. Mais la bonne nouvelle, c'est que son question de frais de résidence qui était en retard pour sortir, actuellement, pendant que je parle avec moi, je ne suis pas capable de avec certitude si je ne pas même en sorti ou bien si je en impression toujours. Parce que jusqu'à matin, administrateur, en tout cas responsable comptabilité dans le ministère Santé, dans le ministère Finance pour finaliser le processus là. Ça me voulait comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous faites grève qui fait chèque la sortie. Vous n'avez pas qu'à faire chèque sortie en deux heures de temps si pas déjà vous un mécanisme qui est enclenché pour chèque la sortie. Malheureusement, c'est qu'on s'allie. Chaque année, toujours un retard dans le processus d'émission de premier chèque là. Et vous connaissez tout, vous n'avez pas recevoir un chèque pour un mois. Et quel que soit le nombre de mois que vous avez que vous pas recevoir, frère, là vous allez recevoir, vous recevoir en quantité. Nous toujours bali, soit 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois. Donc c'est peut-être un petit problème d'incompréhension qui fait vous arriver à penser que c'est grève là pour vous faire ou bien arrêt de travail là, si vous voulez, pour ça qu'à régler. Mais ce n'est pas ça qui a réglé le problème là, en fait. C'est un problème qui était déjà en voie de résolution. Je ne pas dire qu'il a recevoir 11 mois. Je ne pas dire qu'il monte en chèque la pied, mais c'est sûr qu'il a recevoir plus que 1 mois. En général, il n'y a pas recevoir 1 mois à la fois. C'est toujours après un certain temps, le processus la finalisé, il y a une quantité de mois. Mais quel que soit le nombre de mois que vous avez qui pas touché, au final, avant fin parcours, il a fini pas touché. Et c'est ça que mon doit connaître. Même les l'État a un retard pour le payer. Tant on fait qu'on pas travail là, et on pas soustrait sous chèque. Ça veut dire que si on fait une semaine, deux jours, trois jours en grève, les ap touché, on touché pour l'intégralité du temps. Mais on mise au point pour nous faire tout, c'est que les résidents, ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des employés budgétisés de l'État. Ce sont des gens qui sont en spécialité, donc il n'y a pas à prendre une spécialité.
et yo sous une rubrique qui est la rubrique stagiaire pour le ministère là. C'est ça qui va être le problème qui fait problème dans le récurrent. Parce que c'est à chaque fois qu'on est obligé de reprendre le même processus là. Et même si le résident rentre en première année, il faut avoir une lettre d'engagement signée par le ministre là, pour voyer dans la finance, pour suivre l'administratif. En fait, et même résident ça, même là le passé, là, dans la deuxième année, il faut refaire le même processus là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rentre dans la première année qui continue le processus là dans la deuxième année. Il y a des gens qui quittent de propre volonté. Il y a des gens qui ne doivent pas capable de continuer que le système cap mette à l'écart. Ça arrive très rarement. Donc, c'est un processus que chaque année pour après faire. C'est dommage que c'est comme ça, les gens qui sentent que ce n'est pas grève pour revendiquer l'intérêt, ils ont fonctionné. Parce qu'en principe, le problème concerne les résidents ou une partie des résidents, si vous voulez, parce que moi, c'est les résidents de première année qui a mené le mouvement là. Donc, ceci ne devrait pas en fait paralyser l'institution qui a un personnel salarié là-dedans, qui a une infirmière, qui a un auxiliaire, qui a l'autre monde, etc. Mais bon. Sauf que c'est la réalité, nous sommes obligés de considérer les gens liés. Je pense que faut réfléchir à une autre façon de faire pour que les gens joignent frais ça. Parce qu'en réalité, son frais, ça y a revendiqué ou bien ça y a demandé, ce n'est pas vraiment grand-chose. Nous tous connaissons, vu la situation, ce n'est pas des gens qui ont des salaires réguliers, comme vous même avec moi. C'est un frais pendant que vous êtes en résidence. Pour permettre qu'ils couvrent certains frais de fonctionnement. Mais ce n'est pas des gens qui ont des arriérés de salaire vraiment, etc. Rapport ministère Santé publique présenté journée mercredi sous statistique 2021-2022, c'est un ensemble de données sanitaires qui connectaient dans l'idée pour permettre à partenaire MSPPO bien cadrer intervention yo dans le système sanitaire pays a d'après déclaration ministère santé publique ak population an. Alex Larsen révélé rapport si la bayon ensemble données statistiques sous surveillance épidémiologique dans l'idée pour permettre yon pi bon exercice dans santé publique pays d'Haïti. Il contient ensemble d'informations actualisées et ventilées par département portant sur l'estimation de la taille de la population globale et celle des groupes ciblés pour les programmes prioritaires du ministère. La fréquence et la distribution de la population des maladies sous surveillance. L'accès aux soins et services sanitaires de base. La couverture des programmes prioritaires, les ressources consacrées à la santé de la population. Représentant OPS OMS en Haïti, Dr. Maureen Birmingham, félicité responsable ministère santé publique yo pour gros travail si là yo rivé réalisé malgré contexte difficile pays d'Haïti a fait face dans moment sa yo. Pour représentant strict si là, rapport ça représenté organe 5 sens yon corps tellement la permettre ensemble partenaires pays d'Haïti dans domaine sanitaire bien cerner réalité pays d'Haïti dans domaine sila. Comment c'est important ce rapport et les données dedans. Ce sont nos yeux, nos oreilles pour savoir ce qui se passe de la santé dans la population en Haïti. Sans données pour guider les actions en santé, c'est comme un pilote qui conduit un avion de manière aveugle. Le pilote ne sait pas où il est, ni où il va, ni s'il est arrivé à sa destination. Même son cloche à bon côté représentant USAID dans le pays d'Haïti, Andrea Alverson, qui souhaitait ministère santé publique et ensemble partenaire bien utiliser données sa yo dans l'idée pour résoudre divers problèmes sanitaires pays d'Haïti a fait face. Comme vous le savez déjà, il y a de nombreux programmes qui sont en cours d'exécution pour lesquels des progrès ont été réalisés. Plus précisément, on donne l'accès aux soins de santé de base. Il faut noter que, pour mieux faire, le ministère de la Santé, les bailleurs de fonds et les acteurs du secteur public et privé ont besoin d'un diagnostic réel de la situation en Haïti. N'a pas rappelé présentation statistique 2021-2022 ministère santé publique ak population présentée journée jodi a réalisé embagé notamment divers représentants diplomatiques accrédités dans le pays d'Haïti. L'on considère 86 régime 86 là période 86 là son frange dans monsieur Sayo qui ban nous PHTK
Nous remontons en 90. Son frange en mouvement Slava Lasla qui ban nous PHTK. Nous retombons en 2004. C'est même groupe Mounsayo à Jodia qui ban nous PHTK. Ça veut dire qui ça? Peuple haïtien prenant un ceinturon. Eh bien, nous-mêmes, nous faisons un grand constat. Constat que nous faisons, c'est seul Joseph Michel Martelly qui est PHTK. Après ça, tout l'autre, c'est de outsider, c'est de abolotio, c'est de nèg qui vient continuer à faire complot pour détruire le peuple haïtien davantage. Dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de la plateforme politique Chemin de Délivrance Haïti,